et découvre qu'elle a en réalité une autre origine. À chaque fois qu'on me demande d'où je viens, j'ai toujours du mal à répondre parce que cela m'évoque une autre question, mais où se trouve en réalité mon chez-moi? Est-ce que c'est l'endroit où je suis née, ou alors l'endroit où j'ai passé mon enfance? Est-ce que c'est ma nationalité ou encore le pays d'origine de mes parents? Et généralement, ma réponse dépend du contexte de la conversation ou de la personne avec qui je suis en train de parler, parce que pour moi, chez moi, je ne peux pas dire que ce soit ici ou là, mais c'est un processus visant à trouver là où je me sens chez moi. Je suis honorée d'intervenir ici aujourd'hui, en même temps j'ai le trac, mais en acceptant ce privilège, j'aimerais rendre hommage à mes ancêtres, à mes parents et tous ceux dont l'expérience migratoire est imbriquée avec la mienne. Ici aujourd'hui, je vais vous relater mon histoire, mais également donner une voix aux enfants des migrants qui ont cruellement besoin d'aide. Ma vie a été un processus constant d'émigration et d'immigration. Mon père est japonais, il a rencontré ma mère qui est des Philippines alors qu'il travailler aux Philippines, sauf mon frère aîné qui est né aux Philippines. Les trois autres enfants de ma famille sont nés et ont grandi dans différentes villes japonaises. Je suis de nationalité japonaise et j'ai perdu ma nationalité philippine à l'âge de 20 ans. Au cours de mon enfance, jusqu'à l'âge adulte, j'ai fréquenté 9 écoles différentes au Japon, aux Philippines et aux États-Unis. À l'heure actuelle, je vis et je travaille au Japon. L'on a tendance à penser que le Japon est un pays monoculturel. Or, c'est faux. C'est un pays multiethnique et multilingue sur le plan historique. Le Japon se compose de différents groupes ethniques, de différentes cultures, et ce, plus qu'on ne le pense et plus qu'on ne veut le laisser penser aux gens. Il y a le peuple autochtone de Ainu à Hokkaido, par exemple. Il y a également les habitants originaires d'Okinawa ou encore les Ainichi originaires de Corée ou de Chine. Et au cours de ces dernières décennies, le Japon a accueilli tellement de migrants, essentiellement de pays asiatique et d'Amérique latine. J'ai grandi à Osaka, dans l'ouest du pays, où une énorme communauté de Coréens s'est installée avec maintenant la 4e génération déjà. Quand j'étais enfant, j'avais du mal à décrire mon parcours aux autres et surtout à m'exprimer sur ce qu'il y avait de philippin en moi. J'étais timide, je ne souhaitais pas me faire remarquer, je ne souhaitais pas me démarquer. Et par conséquent, j'ai essayé d'imiter par tous les moyens ce qu'il pouvait y avoir de japonais, entre guillemets, chez les autres enfants pour me faire accepter par mes camarades. Et j'ai eu du mal à admettre le fait que ma mère était d'un pays étranger, alors que, manifestement, elle n'avait absolument pas l'apparence ni la façon de parler des autres mères japonaises. Mais que cela me plaise ou pas, à l'époque, ma famille n'était pas une famille japonaise typique. Dans le même temps, même si le Japon est l'endroit où je me suis installée, et même si j'ai parlé comme langue maternelle le japonais, eh bien, je ne suis pas vraiment sûre d'être à 100% japonaise. Alors, j'ai certes la nationalité du pays, mais dans ma vie quotidienne, je constate avoir des différences. Au Japon, il est tout à fait courant d'entendre des remarques ou des plaisanteries au sujet des étrangers, et bien souvent à connotation insultante. J'ai entendu raconter des histoires sur tous les problèmes que ma mère a rencontrés en tant que ressortissante des Philippines au Japon, et j'ai compris que
l'image stéréotypée des Philippines qui était véhiculée était que les Filipinos étaient des enfants des rues qui fouillaient dans les poubelles. Et puis, au Japon, on a tendance à penser que toutes les femmes venues des Philippines sont des danseuses de cabaret, entre guillemets. Ce sont des images négatives qui sont véhiculées parce que, et moi j'avais du mal à comprendre cela, parce que pour moi, les Philippines n'avaient rien d'étranger. Au contraire, quand je me rendais sur place, j'étais chaleureusement accueillie par les membres de la famille, les amis, et puis je voyais toutes ces plages magnifiques et cette chaleur humaine. Et donc, j'étais face à un conflit à l'intérieur de moi-même entre ma moitié japonaise et ma moitié des Philippines. Et étant donné ces stéréotypes véhiculés autour des Philippines et des ressortissants philippins au Japon, j'avais du mal à avoir une image positive de mon propre parcours et de mes deux cultures. Et ça s'est encore compliqué quand j'ai passé quelques années aux États-Unis où j'ai suivi une formation dans un contexte multiculturel. Alors, le fait de se familiariser avec une culture différente et des valeurs différentes est très positif, mais en même temps, j'ai vu qu'elle était la face sombre de l'histoire des migrants, pleine de stigmatisation, de discrimination. J'ai fait de mon mieux pour m'adapter à des cultures différentes et pour m'ouvrir à la diversité. J'ai eu énormément de possibilités de le faire, mais c'était difficile et je me suis de plus en plus repliée sur moi-même. En grandissant, j'avais l'impression d'être quelque peu entre différentes cultures, entre différentes sociétés, et que j'étais complètement perdue et que je ne savais plus d'où j'étais. Alors, j'ai décidé de refaire le parcours toute seule, d'abord de me rendre au Japon, puis aux Philippines pendant mon enseignement secondaire. Et c'est la première fois que j'ai pu m'immerger dans ces deux cultures sans ma famille à mes côtés, et j'ai réussi plus facilement à faire ces allers-retours entre les deux cultures, en appréciant les similitudes, les différences, les aspects négatifs et positifs de ces deux cultures. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris enfin l'importance de la confiance et de l'amour de la part de mes proches, la famille, les amis, les enseignants, les camarades de classe, toutes ces personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. Ils ont été une source de gratification et de richesse pour moi. Ils ont partagé mes joies et mes peines. Et c'est là une idée qui transcende les cultures, quel que soit l'endroit d'où on vient. Et comme j'ai pu le découvrir lors de mes années d'université, le fait d'identifier l'endroit d'où on vient n'était plus vraiment un problème. Plutôt que de me demander « mais d'où est-ce que je viens ?» et « qui suis-je ?», je me suis dit que je devais faire quelque chose pour les autres. Et je devais essayer de voir comment je pouvais aider les autres à être eux-mêmes heureux et comment je pouvais donc les aider. Et cela m'a donné un but et cela m'a également réconforté dans ma vie quotidienne. Ainsi, le fait de mettre ma vie au service des autres est devenu mon but dans la vie, et plutôt que de me concentrer sur les autres problèmes, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise au mieux mon parcours multiculturel et mes expériences. J'ai fait des études en relations internationales et je me suis également spécialisée en psychologie clinique. Je me suis rendue au Japon, aux Philippines, et j'ai pu me familiariser avec différents contextes. J'ai également travaillé comme bénévole au Japon, aux Philippines, pour les jeunes de communautés multiculturelles. Nous avons planifié et coordonné des programmes destinés aux familles, fondé sur l'interaction entre les cultures. J'ai beaucoup apprécié ces échanges d'expériences et d'idées
avec ces jeunes qui ont montré qu'il y avait une grande solidarité, une grande empathie, une grande confiance entre eux. Bon nombre de familles de migrants et d'enfants migrants que j'ai rencontrés ont besoin d'aide. Ils ont souvent une vie compliquée, ils viennent de familles éclatées ou alors de familles monoparentales, ils ont des problèmes financiers et sociaux. Et tout comme les migrants partout dans le monde, les migrants au Japon sont vulnérables à bien des titres. Pour commencer, ce sont des migrants. Donc, ils n'ont pas de système de soutien et d'acceptation au sein de la communauté où ils vivent et au sein de la société dans son ensemble. Bon nombre de parents travaillent dans des conditions particulièrement rudes et en même temps, ils doivent élever leurs enfants dans un pays étranger. Les enfants des migrants, quant à eux, ont d'autres problèmes, à savoir la communication difficile avec leurs parents, les conflits avec les pères, avec les camarades, des problèmes de comportement ou encore de harcèlement dont ils sont victimes ou de discrimination à l'école, et certains ont des problèmes psychologiques ou psychiques. Je me suis spécialisée en psychologie clinique et en prise en charge psychologique et je me spécialise dans la prise en charge des migrants, des familles de migrants et plus particulièrement des enfants de migrants. Et à chaque fois que je rencontre les personnes avec lesquelles je travaille, je me concentre sur leurs problèmes, j'essaye de comprendre et d'entendre leur histoire et je vois que leur histoire de vie est souvent difficile, mais en même temps, j'essaye toujours de voir ce qu'il peut y avoir de positif, où peut se nicher l'espoir dans ce qu'ils me racontent. Et j'apprends beaucoup de leurs difficultés et en faisant cela, eh bien, j'utilise ma propre expérience et mes propres émotions. Mon rêve serait d'encourager tous ces jeunes qui ont une origine multiculturelle au Japon à affronter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et j'estime que c'est mon devoir et ma responsabilité que de faire en sorte que leur voix soit entendue dans un pays où la migration est considérée comme un problème. Aussi, je crois que bon nombre d'entre vous dans cette salle qui êtes des enfants de migrants ou alors qui êtes parents d'enfants multiculturels me comprendrez. Malgré l'histoire compliquée qui est à l'origine de notre expérience en tant que migrants, nous sommes tous ici maintenant. Et c'est ce qui compte lorsqu'on a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Personne ne peut nous priver de notre présence ici ou encore de notre parcours, de notre itinéraire. Et nos horizons multiculturels peuvent être utilisés de façon positive pour comprendre les obstacles et les surmonter et créer un monde pacifique. Merci.